j'avais amené les enfants voir leur père. Dès que monsieur s'est mis à me taper dessus, je suis allée aux urgences faire constater les coups et blessures et que j'ai porté plainte suite à ça. Le procureur de la République de Privas m'a encouragée à fuir, partir aussi loin que possible puisque j'avais des menaces de mort de la part de monsieur Gruzel et qu'il possède des armes. Je ne vois pas pourquoi même le procureur de Privas suivrait la plainte de monsieur Gruzel pour enlèvement d'enfants alors que lui-même m'a demandé de partir de la juridiction. Voilà. Moi, j'ai pas l'impression de revivre une seconde affaire parce que de toute façon, je ne suis pas en prison, je ne suis pas enceinte, il n'y a pas de secte en face, il n'y a pas de Canada en face. Il y a des milliers de couples qui se séparent, il y a des milliers de femmes qui se font battre. J'ai même un document où il dit qu'il m'autorise à faire scolariser les enfants sur Strasbourg et à ce qu'ils vivent avec moi. Donc quand on donne son accord, on peut difficilement dire qu'il y a eu enlèvement.